Bon. Si tu n'as pas vu le match, c'est une bonne chose. Moi, j'ai regardé le match, donc... Il y avait Mask Singer sur TF1. Je regrette beaucoup de ne pas avoir regardé Casimir qui chante. Je regrette beaucoup. Parce que ce que j'ai vu là, ça... Si tu as vu le match, je te demande de te manifester. Parce que là... Là, il se passe quelque chose dans le monde du football. Là, nous allons tenter de débriefer ensemble le match nul. Mais vraiment nul. Mais c'est un match. Donc aujourd'hui, je paye 100 euros d'abonnement pour voir Paris Saint-Germain affronter les Girondins de Bordeaux ce soir. En préparation d'un match couperet en début de semaine prochaine à Manchester. Alors, bon, si on joue comme les 25 dernières minutes que j'ai vues tout à l'heure, venez jouer à vous le pénil, venez, parce que vous avez joué comme mon équipe en 99 quand on est parti affronter Interloin en coupe du comité. On était éliminé de la coupe de cinéma, mais on est parti jouer en coupe du comité sur un terrain avec des champs de patates. Mais c'était la même physionomie que j'ai vue dès que Verratti est sorti, frérot. Déjà, Tourelle, quand tu vois quelqu'un pendant tout le match, il est comme ça sur le banc. Une chèvre. Ah, on me regarde comme un fou. Va sur M6. Il y a de très belles émissions où on valorise les chèvres, les animaux bio pour le salon de l'agriculture. Thomas, tu es devenu vraiment quelqu'un que je... Tu es devenu un terme péjoratif. Tu es devenu un type, quand je tape, il m'énerve sur Google. Je vois ta barbe de 3 jours. Même ta barbe m'énerve. Tout m'énerve. C'est toi, ton accent. Quand tu me dis tout, et puis tu dis toi, tu m'énerves. Toi. Et bon, je suis énervé parce que on commence très mal le match. Il y a un joueur à nous qui s'appelle PBMB. Un titi parisien qu'on fait jouer latéral droit, PBMB. Corner pour Bordeaux. Et il marque contre son camp. Bon, déjà, j'aimerais... m'énerver encore sur Tropico. Tropico, c'est le gardien remplaçant de mon équipe. Tropico, tu sais, si ton but dans la vie, c'est de boire la boisson qui porte ton nom avant un corner, va te faire foutre. Tu m'entends? Je sais pas comment on dit en espagnol, va te faire foutre. Mais ça doit être un truc comme va te faire foutre avec l'accent de Marbella. Parce que vos techniques de jeunes là, à ne pas mettre de joueurs au premier ou au deuxième poteau, nous, les gens qui sommes nous avant les années 80, on a toujours vu que ça marche parce que si tu mets quelqu'un au premier poteau, Dembélé là, il met pas son premier but de sa carrière contre son camp. Tu m'entends? Donc 1-0. Et moi, je me dis ça va parce que Verratti, c'est un joueur, même si aujourd'hui, il arrive sur le terrain bourré, même s'il arrive sur le terrain après être sorti du cristal qui est fermé pour confinement, mais qui peut être ouvert pour lui, ou qui fume des cigarettes, la chicha avant le... J'ai vu qu'il joue tout le temps sur le terrain. Tu as vu le poumon. C'est notre cœur. C'est vraiment le système cardiovasculaire du PSG. Quand il est là, tout change. La créativité, dans la récupération, dans l'envie, dans la connerie aussi. J'aime ce joueur. Parce qu'à un moment donné, le pauvre, en deuxième mi-temps, il s'est pris un geste technique par un joueur qui s'appelle He Hong.
Il s'appelle Wang, mais il avait sur son maillot écrit He Hong. Il lui a mis contrôle orienté extérieur. Verratti a voulu le tacler puisque c'est devenu un grand professionnel du tac. Aujourd'hui, Verratti est en train de tacler. Il est en direction de Pérouse, là-bas, dans les montagnes de Turin. Mais il mouille le maillot. Donc, lorsque on arrive à égaliser sur un penalty de Neymar, puisque maintenant c'est ça devenu, c'est devenu notre action, marquer sur penalty. On marque tout le temps sur penalty. Je te dis, c'est devenu, nous sommes devenus des pénalteurs. C'est plus le Paris Saint-Germain, c'est le penalty Saint-Germain. C'est devenu ça. Donc, on égalise grâce à Neymar. Et puis après, à un moment donné, Mbappé aussi. Kylian, tu es quand même l'avenir du football français. Les gens t'ont critiqué en disant que tu ne progresses plus. Je pense que même ma mère aujourd'hui peut t'arrêter en un contre un. Oui, oui, Kylian. Je vais t'expliquer. Kylian, laisse-moi t'expliquer. Kylian, pourquoi ma mère ou ma tante qui est en Belgique, en prenant le Thalys, peut t'arrêter sur un terrain? Parce que j'ai l'impression que quand tu joues au foot, tu joues comme quand on pouvait marquer des buts sur World Cup, sur Game Boy. Si tu faisais en haut, en bas. C'est-à-dire que tu as un jeu que il suffit qu'on révise le cours d'histoire juste avant de t'affronter. On sait ce que tu vas faire. On sait ce que tu vas faire. Mais même quand on sait ce que tu vas faire, tu arrives à nous dribbler. Ça, c'est bien. Mais pour finir, j'espère que ta carte fout là. Dans FIFA, ils vont te mettre moins 77 en finition. Kylian, moins 78. Parce que quand on te met des 1 contre 1 contre Costil, tu m'envoies la balle au camp des loges. Quand on te donne un autre 1 contre 1 contre Costil, tu n'arrives pas à lever ta ballon pour que ça aille dans la lucarne, il faut que Costil la touche pour que ça touche le poteau. Quand on te donne des 1 contre 1 contre Costil, où tu veux le dribbler, il a eu le temps, lorsque tu as fait ton dribble, d'aller au Crédit Agricole, prendre un crédit avec le TPZ. Prêt à taux zéro. Il a eu le temps d'aller à Géoterre pour choisir son terrain du côté de la Arcachon. Il a eu le temps de prendre le train inouï, venir au parc, passer par le Planète Sushi, prendre un menu, repartir, se changer chez lui à Montgeron, reprendre le direct depuis Melun pour arrêter ton crochet que même moi je savais dans le futur avec ma DeLorean que tu allais le faire. On marque grâce à Moïse Kine, grand espoir. Et puis, à un moment donné, je pense que quand tu regardes un joueur qui court à la vitesse d'une trottinette utilisée par un enfant de 5 ans, quand tu vois Paredes est fatigué, beaucoup de joueurs sont fatigués. Si tu regardes un peu le foot en Europe, tout le monde est fatigué. Le type a fait des voyages avec le Air Maroc depuis l'Argentine pour revenir avec des escales partout dans tous les pays orientaux. Et que tu ne vois pas ça, Thomas, tu ne le changes pas et qu'on se prend un but par Adli. L'autre. Ah. Bref, il a marqué et puis 2-2, quoi. Et puis Herrera, il est rentré. Venons, on parle un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Parce que j'ai trouvé ça pathétique, quoi. J'ai trouvé ça pathétique. Parlons un peu, parlons bien. Lazan del Grade, honte pour mon club. Non, oui, c'est vrai que c'est. Nous sommes dans une. Vous avez vu, le football en ce moment, c'est très difficile. Là, nous, on est un petit peu des enfants pourris gâtés. Mais tout le monde, hein, tout le monde est dans le dur. Tout le monde, dans tous les championnats, c'est pas facile. Mais c'est chiant, quoi. C'est vraiment dommage qu'ils nous ont mis ces trêves internationales alors que la préparation physique était tronquée. Mais je sais même pas. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, les amis. Je pense qu'on va aller dormir. Et puis c'est tout. Allons.
En tout cas, Thomas, ta mère, je suis désolé. Je suis désolé.